Rebonsoir, c'est juste faire une petite précision, remercier nos infos, nos services de renseignement, dire bravo à nos services de renseignement. Nous le disons merci à nos services de renseignement. Soyez honorés, chers services de renseignement. Voilà, parce que bonsoir, rebonsoir, je sais qu'il fait nuit, il se fait tard, mais nous allons vous faire écouter le cousin de Wiasanda. C'est son cousin. Ils sont nés le même jour. En train de mentir. Nous allons l'écouter. C'est juste, vous allez écouter le cousin de Wiasanda. Voilà. Un Wiafo, un Fernandais. Écoutez-le. Voilà. Parce que, vous rappelez comme moi, hein. Voilà. Vous rappelez comme moi. Ils ont dit ici qu'il n'y a pas eu de tir, que les rumeurs viennent de l'étranger. Ils ont attaqué l'étranger. C'est l'étranger même qui a été visé. Parce que tous leurs soucis là, c'est les blogueurs, les communicants, les activistes. C'est tous leurs problèmes. C'est le souci qu'ils ont. Voilà. Donc, ils ont réagi et je ne sais pas si les gens là comprennent. Même si c'est-à-dire, même si vous tuez un poulet, si nous devons connaître comment le poulet a été tué, égorgé au palais Mohamed V, là, wallah, ils vont nous envoyer. Ne vous en faites pas. Et alors, malo à Fotal, vous qui êtes autour de Mamadi, vous passez, allez-y, comment on informe les Benito, comment ils sont informés, vous perdez votre temps. Au lieu de chercher à savoir les personnes qui nous informent là, mais vaut mieux libérer ce pays, c'est tout. Salam alaikum, mon beau. Vous ne comprenez pas ça? Vous dites qu'il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de tir. C'est l'ambassadeur. Ah, je vais dire clairement les choses. C'est l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, à Conakry, en tout cas un diplomate ivoirien, qui a parlé à l'AFP. C'est l'ambassadeur, ou bien un travailleur de l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Conakry, qui a bel et bien dit qu'il y a eu de tir. C'est lui qui a expliqué qu'il y avait 8 personnes, 8 commandos qui ont tiré vers le palais Mohamed V. 3 sont morts, 5 ont été maîtrisés. Mais ce qui est clair là, je le dis encore haut et fort, vous avez tué tous. Petit à petit, vous allez faire sortir les corps. Petit à petit, wallah. Petit à petit. Mais voilà pourquoi vous mentez. Voilà, vous allez l'écouter tout de suite là. Il dit que comment il n'est pas. Karamo Kaba, le gouverneur de la Banque centrale. Monsieur le gouverneur, si vous acceptez, alors que Sayata Kalekou. Monsieur le gouverneur, le jeune là n'a jamais été ton garde du corps. Nous avons appelé. Dès que l'image est sortie, dès que le mensonge est sorti, moi, j'ai beaucoup de promotionnaires de Mamou qui travaillent à la Banque centrale. Des amis qui ont étudié à Cancan qui sont à la Banque centrale. Dès qu'ils ont vu l'affiche, ils m'ont appelé. Moi, je viens juste de rentrer. J'étais parti chercher ma cuite. On dit, Benito, c'est faux. Ce jeune homme-là n'a jamais été le garde du corps du gouverneur. Comment vous pouvez mentir? C'est-à-dire, le gouverneur accepte qu'on arrange le mensonge. Monsieur le gouverneur, hey, Yanama, malgré que tu as volé, malgré que tu es un assassin, malgré que tu as volé, malgré que tu détruis l'argent de ce pays-là, malgré que tu es impliqué dans beaucoup de traumas ici, mais tu as le culot, l'audace d'accepter qu'on t'accuse, qu'on dit devant le monde entier, on te prend, on t'utilise. Que c'est le garde du corps du gouverneur s'est noyé. Il y a eu quelle pluie, cher frère. Il y a eu quelle pluie dans les 2 jours-là qui peut noyer un commando de force spéciale. Vous prenez les Guinéens comme des enfants. Vous prenez les Guinéens comme des enfants. Vous pensez que ce sont des moutons. Et puis vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas peur de Dieu. Et puis vous ne savez même pas mentir. Hey, il faut être très habile dans le mensonge. Faut savoir. Hey, quand tu es un dictateur, tu es un assassin, tu es un sanguinaire. Il faut trouver des alibis qui peuvent passer. Mais regardez, depuis que vous avez commencé à mentir sur les assassinats là, vous avez tous raté. Écoutez, voilà un menteur, il est flanqué, il ne sait même pas mentir. Nous allons l'écouter. Nous allons l'écouter. D'abord, regardez.
Regardez. Regardez le jeune homme. Regardez-le. Vous avez fait un arrangement avec la famille. Vous avez négocié avec la famille. On peut comprendre ça. La famille n'a pas de choix. Tout qu'on fait, ils n'auront pas le corps. Voilà ce qu'il dit. On dit drame. Le garde du corps du gouverneur de la Banque centrale tué par les eaux de pluie. Écoutez très bien. Le garde du corps du gouverneur de la Banque centrale tué par les eaux de pluie. Il y a eu quelle forte pluie qui peut emporter un élément des forces spéciales. Eh, Dounia. On dit, c'est une source proche de sa famille. Voilà ici, attendez. Coli, garde du corps du gouverneur Coli, hein. Bon, on va laisser ça. Laissons tout ça là. Laissons tout ça. Regardez. Mais je vais revenir d'abord pour encourager et dénoncer ça de vive voix. Voilà ce que un enquêteur a bien mentionné. Un milicien des forces spéciales a été abattu lors de l'attaque du jeudi dernier du palais Mohamed V qui sert de bureau et de domicile à Doumbouya. Ce n'est pas la seule victime selon nos sources qui sont formelles. Il y a eu 3 morts, 5 maîtrisés, dont les 5 ont été exécutés après leur maîtrise. Après les arrestations, ils ont été exécutés. Écoutez très bien, les 5 ont été exécutés après. Donc il y a 8 morts. Vous allez faire sortir, trouver d'abord des alibis. Le gouverneur a pris un mort, a donné 2 morts à un autre encore, 3 morts pour que vous ayez les 8 autres. Parce qu'il y a eu 8. Les 8 familles se sont déclarées. Voilà, les 8 familles sont déjà connues. Ils disent que jusque-là, ils n'ont pas les nouvelles de leurs enfants. Les 8 familles sont connues déjà. Le gouverneur a pris un. Lui, il dit que c'est son garde du corps. Ce qui est faux. Voilà. Et regardez, voilà. Comme à leur triste habitude, les sbires du Poussi se sont empressés de cacher les corps. Le raid éclair a été mené par un commando invisible. Les assaillants se sont ensuite évaporés dans la nature. Ce mort est un cinglant démenti au communiqué linéaire du gouvernement illégal de la junte immonde de Conakry qui nie tout affrontement armé à Kaloum. Dans les jours à venir, d'autres morts parmi les ministres de Doumbouya seront officialisés. Le seigneur de vie ces dernières heures. Parce que d'autres morts, vous allez bientôt sortir les corps un à un, parce que vous vous êtes empressé de cacher les corps. Pourquoi vous faites ça? Dans l'attaque, il y a eu 3 morts, ça c'est officiel. Vous avez maîtrisé 5. Et après, ils ont été exécutés, les 5 ont été exécutés. Donc 5 plus 3 font 8. Maintenant, vous cherchez à attribuer les morts, oh my God. Et puis celui qui menace là, il y a un petit. Nous allons écouter le menteur. Écoutez le menteur. Lui, il dit qu'il était avec. Écoutez le jeune frère de Ouyasanda. Écoutez-le, s'il vous plaît. Je ne vais pas vous retenir longtemps. Écoutons le jeune frère de Ouyasanda. Il est en train d'expliquer. Lui, il dit qu'il était avec le jeune homme. Que le jeune homme a quitté la voiture. Il est parti, il a tourné. L'eau l'a envoyé. Patati, patati. Écoutez. Allez, écoutez, à la mer. L'eau qui parle là, moi je vais caler l'eau, je vais diminuer la force de l'eau pour que nous passions ensemble. Ouais. Parce qu'une fois que tu prends la route qui va vers Sepertan, là tu es tranquille, tu vas sortir vers Sepertan maintenant, continuer vers Concassion. Ouais. Maintenant on est venu jusqu'à la station. Ouais. Moi je garde ma voiture, je leur dis de venir en bas. Ouais. Mon frère il quitte ici, derrière moi, il monte. Vous savez, avant d'arriver au niveau pont qu'on a mis à Hamdallah Pharmacie, il y a une route encore qui rentre là-bas. Uh-huh. Là où les taxis motards garent. Oui, oui. Il est parti avant là-bas. Oui. Il a garé, il voulait traverser, venir maintenant envers la station. Avec la moto. Oui, il est venu garer la moto. Uh-huh.
Mais maman, je voulais partir chez moi. J'ai dit non. Ouais. Avec l'eau là, ouais, il faut que je sache d'abord comment le monsieur là va traverser. Va traverser. Ouais. Je suis resté dans la voiture 10 minutes. Ouais. Toujours la moto est garée là où. Mettez le cœur, hein. Mettez le cœur. Hein. Il le met tête de mort. Mettez le cœur. Personne n'était sur la moto. Ah, en ce moment, je suis sûrement, il passe CSRC, c'est-à-dire la trace là où il peut traverser. Oui. Là, je suis là dans la voiture plus de combien de minutes, oui, sous la forte pluie, oui. Je dis attends, oui, il faut que je fasse ma marche arrière pour savoir où est le monsieur là. Oui. Je fais ma marche arrière, je viens, je garde sur la chose à côté de la moto. Oui. Puis je vois en train de m'appeler, oui, c'est les femmes qui sont sur l'étage, oui, en train de m'appeler pour me dire, eh, mon frère, moi, mon frère, oui, il est tombé, il est rentré dans les caniveaux. Directement, yeah, je dis, j'ai pris ma tête. Oui. Tac. Il y avait des jeunes qui étaient à côté de la station, qui étaient arrêtés à cause de la faute. Allahu Akbar. Est-ce que vous avez compris, dans tout ce qu'il a raconté, vous avez compris quelque chose? Dans tout ce qu'il a raconté, est-ce que vous avez compris? Dans tout ce qui... Parce que moi, je n'ai rien compris. C'est-à-dire, je l'ai écouté, réécouté. Écouté, réécouté. Rien. Mettez les cœurs. Toi, lui, il est venu. Les deux ne se connaissent pas. Lui, il garde sa voiture. Que l'élément des forces spéciales a garé sa moto. Et puis, il a mis, qu'il veut voir comment il va passer. Et un élément de. Toi-même. Non. Là, il ne s'est même pas menti. Non, que quelqu'un me dit qu'il a compris dans tout ce qu'il a dit. Il a traversé les parties de l'autre côté, il est revenu. Ils ont trouvé un menteur. Lui aussi, il cherche là où manger. Il dit, regardez, je vais vous faire réécouter. Que les gens qui sont à l'étage, ils l'ont appelé mon frère. Sous la forte pluie, il dit la forte pluie. Comment les gens peuvent rester à l'étage? À l'étage, l'appel est dit, ils sont à l'étage, et mon frère, quand il est tombé, il est rentré sous le caniveau. Non, c'est un jeune frère de Ouyasana, Morissanda, c'est son jeune frère. Ça dit, Chobot. Il est parti, il est revenu. J'ai dit, je vais garer ma voiture pour voir comment il va mettre ses pieds. Qu'il a mis ses pieds pour voir comment traverser. Il y a quel pont là-bas? Sepertam là. Qui ne connaît pas? Qui ne connaît pas Sepertam? Moi, je connais Sepertam. Ah. Non. Voilà, il... Non, là, c'est lui qui manque comme son ami au village. Voilà. Non. Et à la chaîne, essaye de trouver des menteurs, ceux qui savent mentir. Voilà, venez le frère, voilà, frère Yuba, lui, il a compris un peu. Une voiture garée, et lui, il fait marche arrière. Voilà, mais, voilà, moi, je l'ai, voilà, frère, le frère l'a bien écouté. Il dit qu'il a, voilà, le frère l'a bien écouté. Il dit qu'il a garé la voiture, mais puis il a fait marche arrière. Non. Hein? Et puis d'abord, le premier mensonge, il n'est pas le garde du corps du gouverneur. C'est un élément de force spéciale. Aucun élément de force spéciale ne garde le gouverneur de la Banque centrale. Voilà. Ils ont trouvé un alibi. Vous savez, ils ont 8 corps. Ils ont 8 corps avec eux. 8 corps. Ils sont tous des éléments de force spéciale. 8 corps. Et puis, excusez, je n'ai pas retenu. Il y a un élément de force spéciale qui est en train de le menacer. Petit, je vais montrer ta photo. Il m'a envoyé un message. Mon frère, tu ne me connais pas. Hein? Nous allons le réécouter une dernière fois. Non, il m'a comme voilà, voilà. Non, qu'il a garé la voiture et puis il a fait marche arrière. Et, non, c'est le frère Yuba même qui a compris. C'est-à-dire, il a garé, il a fait marche arrière. Après, il dit, attends, je vais garer. Lui, il est assis, lui-même, il dit, attends, je vais voir comment le gars là va traverser. Maintenant, toi, tu es en train de regarder comment le gars va traverser.
Et il est déjà parti dans le... Et c'est les autres qui t'ont appelé pour dire qu'il est, il est tombé. Toi qui es en train, tu dis, attends, je vais m'arrêter, je vais regarder comment il va traverser. Quelqu'un gare sa moto, il va traverser, laisser sa moto. Il traverse, il laisse sa moto. Ah! Toi qui viens, tu laisses ta moto, tu tentes de traverser. Et toi qui gare, tu te dis, je vais garer ma voiture pour regarder comment le gars va traverser. Toi, tu n'as pas vu tomber. Toi, tu n'as pas vu tomber. C'est ceux qui sont à l'étage qui l'ont vu tomber. On dit non, il est rentré, il est sous le caniveau. Hein? Et puis, un élément de force spéciale. Il n'est pas armé. Il laisse ses affaires sur la moto. Et vous aussi. Nous allons le réécouter une dernière fois. Merci, frère Yuba. Frère Yuba, là, lui, il a bien compris. Moi, j'ai écouté. Quand mon petit des forces spéciales m'a envoyé la vidéo là, j'ai écouté, j'ai regardé, mais non, rien dedans. En tout cas, moi, j'ai pas compris. Et puis voilà, merci. Oh, le grand frère, tu es intelligent, le frère Yubala. La femme est à l'étage, la femme dit, et puis les femmes l'appellent, elles savent comment lui, il est en train de chercher. Non, cousine, madame, il faut pas rire. Tchoboti. Hey. Attends. Attendez. L'eau qui parle là, moi je vais caler l'eau, je vais diminuer la force de l'eau pour que nous passions ensemble. Ouais. Parce que une fois que il veut caler l'eau quoi. Il caler l'eau. Non, écoutez, il va caler l'eau. Hein. Il veut, lui, il peut caler l'eau. Il peut diminuer la force de l'eau. Eh, Dunia. L'eau qui parle là, moi je vais caler l'eau, je vais diminuer la force de l'eau pour que nous passions ensemble. Parce qu'une fois que tu prends la route qui va vers Sepertan, là tu es tranquille, tu vas sortir vers Sepertan, continuer vers Concassion. Maintenant on est venu jusqu'à la station. Moi je garde ma voiture, je leur dis de venir en bas. Mon frère il quitte ici, derrière moi, il monte. Vous savez, avant d'arriver au niveau pont qu'on a mis à Amdallah Pharmacie, il y a une route encore qui rentre là-bas. Là où les taxis motards garent. Il est parti avant là-bas. Il a garé, il voulait traverser, venir maintenant envers la station. Avec la moto. Oui, il est venu garer la moto. Maintenant, moi, je voulais partir chez moi. J'ai dit non. Avec l'eau là, il faut que je sache d'abord comment le monsieur là va traverser. Je suis resté dans la voiture 10 minutes. Toujours la moto est garée là où la moto a été était garée. Personne n'était sur la moto. En ce moment, je suis sûrement il passe CSRC, c'est-à-dire la trace là où il peut traverser. Oui. Je suis là dans la voiture plus de combien de minutes sous la forte pluie. Je dis attends, il faut que je fasse ma marche arrière pour savoir où est le monsieur là. Je fais marche arrière, je viens, je garde sur la chose à côté de la moto. Puis je vois en train de m'appeler. C'est les femmes qui sont sur l'étage, en train de m'appeler pour me dire, et mon frère, il est tombé, il est rentré dans les caniveaux. Directement, je dis, j'ai pris ma tête. Tac, il y avait des jeunes qui étaient à côté de la station, qui étaient arrêtés à cause de la faute. T'as lui, et puis il dit qu'il je vais garer ma voiture, je vais caler l'eau. Il va caler l'eau. Vous avez calé l'eau une fois, il va caler l'eau. Non, caler l'eau. Il dit que et puis ils sont venus ensemble pour un départ. Ils sont venus. Non, c'est un menteur pro max. Je suis dépassé. J'ai dit non, je peux pas dormir. Je ne peux pas dormir. C'est-à-dire ils ont tué le gars. Ils les ont exécutés. Maintenant, voilà des fanfarons qui cherchent à les aider. Et yo, je n'ai jamais entendu quelqu'un caler l'eau. Jamais dans ma vie. Barrage, ok. Barrer l'eau, mais caler l'eau.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Qui est Kalelo? Non. Je voulais vous montrer vous avez vu ce type-là, regardez-le très bien, tous ceux qui le connaissent, regardez ce petit. C'est ce petit aujourd'hui qui est en train de menacer les communicants, les activistes. Regardez sa photo, c'est lui. Lui, c'est lui qui a exécuté les gens. Le voici ici. Il a été cité par certaines personnes. Après, oui, quand ils ont arrêté les 5 autres personnes, c'est lui qui les a exécutés. Le voici ici. Maintenant, il se permet de menacer les gens. Regardez très bien. Petit, nous allons garder ta photo. Il n'y a pas un membre du RPG aujourd'hui qui n'a pas ta photo. Tu es en train de chercher les éléments de, c'est pas, petit manière, il faut tout le temps d'abord la Facebook, d'abord la Europe. Tu peux pas menacer les gens. Tu es un petit. Le voici ici. Regardez-le très bien. Il faut tout dire à Bella. C'est lui qui est en train de menacer les gens. Tous ceux qui ont parlé de l'attaque là. Nous allons parler de l'attaque. C'est Amara qui avait dit qu'il n'y a pas eu de tir. Il y a eu des tirs, vous arrêtez les petits et puis toi tu exécutes tes amis. Voilà. Mais maintenant aujourd'hui, ils t'ont retiré les armes d'abord pour pouvoir masquer. Parce que il paraît que tes camarades veulent venger les autres. Tu t'es précipité. Ben, poignino, les gens cherchent des points. Ils ont arrêté les 5 personnes. On les a arrêté les armes. Ils sont désarmés. Et puis toi, tu les exécutes. Quoi qu'on a fait. Voilà, le voici ici. On arrête les autres. On arrête les autres. Et puis, lui, ils sont désarmés. Et comme il veut, il cherche les points, il les exécute. Voilà pourquoi nous parlons de l'armée guinéenne. Des enfants qui n'ont jamais été à la guerre. Les enfants qui ne connaissent pas le front, ils sont dans Conakry, et puis de Conakry, ils sont au palais Mohamed V. Donc, ils sont regroupés dans un coin. Ils connaissent pas la guerre. Donc, on arrête leurs camarades. Ce sont leurs camarades. Voilà, ce sont leurs camarades. Ce sont leurs camarades. Ils étaient ensemble avant-hier, 2 jours avant l'attaque du 26. Les gens sont mécontents. Vous savez pourquoi ils sont mécontents? Vous savez? Et bien, comment ça se fait parce que vous êtes des forestiers. Vous exécutez les forestiers, des officiers forestiers. D'autres sont en prison. Nous avons nos notables en prison. Nous avons nos chefs en prison. Vous les exécutez? Il y a des officiers qui ont disparu. S'il y a des jeunes forestiers, jeune Afrique a bien détaillé. Jeune Afrique, allez-y. Jeune Afrique a bien détaillé parce qu'ils ont enquêté. Pourquoi vous mentez? Le diplomate qui a signalé, qui a dénoncé, qui a dit la vérité, c'est un diplomate ivoirien. Il a raison, il dit qu'il y a eu des tirs. Vous pensez que les institutions n'ont pas de service de renseignement? Vous pensez que le service de renseignement, il faut forcément être un militaire? Demandez à beaucoup qui travaillent à la filature à Conakry. Moi, j'ai failli accepter de faire la filature au temps de Lansana Conté. J'ai refusé. Je voulais être dans la filature. Demandez ceux qui connaissent l'armée, ce qu'on appelle la filature. La filature. Demandez ceux qui connaissent la filature. Tu peux aller dans un coin, rester pendant un an en train de suivre une seule personne. Une seule personne. Le prendre comme un ami. Rester avec lui. Mais tu es en train de tout arrêter, tout constat, tout. Après, tu fais les rapports. Il y a des sites. Vous ne connaissez pas. Il faut te dire. Il menace notre petit là. Et non, c'est lui. Regardez-le très bien. C'est lui qui a exécuté les autres qui ont été arrêtés. Regardez très bien. Quand vous les voyez comme ça, la cohérence des forces spéciales, tu l'envoies à Kidal tout de suite là, c'est fini, les terreaux vont le manger. Tu l'envoies comme ça au Burkina Faso, ils vont le manger. Vous êtes en train de vous promener dans Conakry là, qu'on a encore des vrais militaires. Vous promenez dans Conakry là, et puis on nous dit que ce sont les vrais militaires.
Hein? Qu'on soit des vrais militaires. Petit, le voilà, et le voici, hein? Il est en train de menacer les gens. C'est un petit, il n'a même pas 25 ans. Des soldats malfaits. Portez-vous très bien. Bonne nuit à tout le monde. C'était pour vous faire écouter. Le gars-là a été tué. Le voici ici, colis. Petit a été tué. Le petit collier a été tué. Bonne nuit, portez-vous très bien. Vous avez vu, je voulais juste vous faire écouter le cousin de Ouyasanda. C'est un gros menteur. Il ne sait même pas mentir. Quand les femmes m'ont appelé, non, mon frère, il est tombé. Il est sous le caniveau. Et sous le caniveau. Et puis, il a dit qu'ils sont sur l'étage. Et... Non. Et puis, faites beaucoup attention. Il y a d'autres, le chauffeur du gouverneur, il n'a jamais été le chauffeur du gouverneur. Monsieur le gouverneur, il ne faut pas accepter qu'on colle ça à toi. Et Karamo Kaba, le petit là ne te connaît pas, il n'a jamais été ton chauffeur. Aucun élément des forces spéciales ne garde le gouverneur. Aucun. Et, alors, c'est bonne nuit à tout le monde. Tu as gagné. Quand j'ai calé l'eau, c'est ma première fois, hein, d'entendre qu'on cale l'eau. Quand j'ai dit, attends, quand je l'ai vu venir, j'ai dit, attends, je vais caler l'eau pour nous. Toi, tu ne le connais pas, hein. Il est sur sa moto, tu ne le connais pas. Toi, tu vas caler l'eau pour lui. Dans quel coup tu t'es intéressé à lui? C'est un élément de force spéciale. Lui, il ne te connaît pas, tu ne le connais pas. Tu vas caler l'eau pour vous deux. Donc, et tu nous dis, au niveau de la station, il y avait des jeunes. Et... Au niveau de la station, il y avait des... Hein? Quoi, au niveau de la station, il y avait des jeunes. Donc, dans l'espace, là, pour le passage, là, il n'y avait que deux personnes. Toi et ce dernier. Ah! La vérité, c'est où il y a fort, là. Et apprenez à mentir. Mentir, là, on apprend aussi. Mentir, là, il y a des professionnels du mensonge. Ils sont là-bas. Il faut savoir mentir. Ah! Non. Ambe, sois là-bas.